Je m'appelle André Charlat, j'ai 24 ans, j'étais à Bourg la saison passée. Et poste principal ailier, mais je peux aussi jouer à l'arrière. J'ai commencé le rugby à Vichy, donc en Auvergne là-bas, dans l'Allier plus exactement. Après je suis parti à Clermont deux saisons et ensuite j'ai rebondi à Nevers. Et après Nevers, j'ai eu un peu de mal pour retrouver un club de haut niveau, on va dire. Donc je suis parti en Bourgogne, à Beaune, où j'ai fait une bonne saison. Et Bourg, du coup, m'a contacté à la fin de cette saison-là pour jouer en Pro D2. Le projet de jeu faisait que derrière, on touchait pas mal de ballons. Du coup, c'est vrai que j'ai pu mettre mes qualités en avant. Au début, c'était un petit peu difficile. J'avais pas beaucoup de temps de jeu. J'arrivais dans un milieu que je connaissais pas. J'ai dû m'aguerrir, m'entraîner. Et puis, j'ai eu ma chance à Montauban une fois. Et j'ai réussi à faire plutôt un bon match. Et du coup, depuis. Oui, aussi. Et depuis ce jour-là, du coup, j'ai enchaîné quelques feuilles. Ouais. Et les coachs m'ont fait confiance, donc c'est bien. Oui, avec un groupe comme celui qu'on avait cette année, c'était vraiment une belle performance de faire cette saison. Malgré tout, le scénario n'a pas été en notre faveur, mais c'était une très belle équipe avec un beau groupe qui a évolué tout au fil de l'année. Donc moi, je garderai vraiment des bons souvenirs de ce club. Alors pour moi, c'est encore un autre rebondissement. Je suis très content de rejoindre le rang des Noirs. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce club. Moi, je vais donner tout ce que j'ai, tout mon potentiel pour cette équipe, et j'espère qu'on ira très très loin pour les prochaines saisons.